Que votre intention soit d'accéder à une propriété pour la première fois, de déménager ou de renouveler votre hypothèque, vous devez penser à beaucoup de choses. Les taux d'intérêt ont augmenté et les hypothèques sont devenues plus complexes au cours des dernières années. Si vos épargnes vous permettent de faire une mise de fonds d'au moins 20 % ou si vous avez remboursé 20 % de la valeur de votre maison, la plupart des prêteurs vous proposeront une hypothèque sur la valeur nette. Il s'agit d'une hypothèque à échéance fixe combinée à une marge de crédit hypothécaire. Certaines banques regroupent d'autres produits financiers, comme les prêts automobiles ou les cartes de crédit, à l'intérieur d'un prêt hypothécaire sur valeur nette en proposant un bon taux d'intérêt. Nous avons demandé aux gens de nous parler de leurs expériences avec les marges de crédit hypothécaire. Non, nous n'avons aucune marge de crédit hypothécaire. Non. Oui. Oui, j'en ai. Alors, ces produits financiers sont commercialisés sous différents noms d'une banque à l'autre. Certains ne savent pas s'ils ont une marge de crédit hypothécaire et ne connaissent pas le fonctionnement de ce type de prêt ou les frais et les modalités applicables. Par exemple, bien que les marges de crédit hypothécaire offrent des taux d'intérêt relativement bas, ces taux demeurent variables. Si vous vivez d'une paye à l'autre, même une légère augmentation du taux d'intérêt risque de compliquer le remboursement de votre prêt. Vous? Absolument. En fait, on pense faire une rénovation et utiliser une marge de crédit hypothécaire pour le faire. C'est des dépenses imprévues, mettons, mais pas à fin personnelle et extravagant. Non, notre planification financière est telle que nous préférons économiser et épargner de l'argent avant de faire des travaux importants dans notre maison au lieu de faire appel à une marge de crédit hypothécaire. Disons que je ne l'utilise quasiment pas parce que l'argent de la banque me l'a proposé, je l'ai prise, mais je ne l'utilise pas. Est venu quand on a vu que dans le fond, on ne baissait pas notre dette. Tu sais, aussitôt qu'on avait un lousse sur la dette, bien, on en rembarquait d'autres choses. C'est comme trop facile d'acheter. Là. C'est là que tu vas, moi, je pense, tant qu'à moi, tu vas au-delà de tes moyens. Au lieu de vivre vraiment avec les sous que tu as, tu vois pas le jour que ta maison va être comme claire à toi. Là. Les gens utilisent leur marge de crédit hypothécaire pour de nombreuses raisons. Les projets de rénovation sont certainement parmi les plus courants, de même que les fonds d'urgence, les investissements et la consolidation de dettes. Déterminez comment vous utiliserez votre marge de crédit hypothécaire et dressez un budget réaliste pour tout projet que vous entreprenez. Et même si vous avez une marge de crédit hypothécaire, établissez un fonds d'épargne d'urgence. L'utilisation de votre marge de crédit pour des imprévus, comme pour régler vos factures mensuelles en cas de perte d'emploi, comporte des risques. Pour moi, la marge de crédit, c'était trop facile à des dépenses. C'est vivre au-dessus de ton moyen. C'est un endettement. C'est... Pour moi, j'ai tout fermé et je vis avec mes moyens. Bah, pour y avoir accès, je pense que n'importe quel crédit, il faut avoir des objectifs précis. Puis de faire attention parce que c'est trop facile. Tu continues toujours dans les dettes, au lieu de diminuer ta dette. Un jour, le but, c'est d'avoir sa maison claire. Ce qui nous permet plus tard peut-être de se ramasser justement de l'acquis pour notre retraite ou nos vieux jours. Hein? Informez-vous avant d'emprunter. Au moment de renouveler votre hypothèque, vous voudrez probablement chercher le meilleur taux d'intérêt. Si vous décidez de changer de prêteur, vous pourriez devoir payer des frais supplémentaires ou rembourser le solde de l'ensemble des produits de crédit regroupés à l'intérieur de votre prêt hypothécaire. Si une marge de crédit hypothécaire vous convient, pensez à long terme lorsque vous planifiez votre stratégie. Avez-vous l'intention d'utiliser la valeur nette de votre maison pour financer votre retraite? Pendant combien de temps comptez-vous rester dans votre maison? Quelles seraient les répercussions d'une hausse des taux d'intérêt, de la perte de votre emploi ou d'une maladie sur votre capacité de rembourser votre dette? Est-ce qu'un faible taux d'intérêt et un accès facile au crédit vous encouragerait à dépenser plus que vous pouvez rembourser? Votre maison est probablement l'investissement le plus important que vous ferez dans votre vie. En définitive, demandez-vous si une marge de crédit hypothécaire vous inciterait à utiliser votre maison comme un guichet automatique.